Yo tout le monde, c'est Katon, c'est Ktafun. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo en entraînement clavier souris. Donc cette fois-ci, on va partir dans le mode créatif. Et ensuite, on partira en game solo. On va lancer la partie. Et donc on va faire des petits entraînements et tout. Et après on partira. Merde, c'est vrai, j'ai mis les dégâts dessus, du coup. Ok. Il va vraiment falloir que j'enlève les dégâts de chute parce que c'est trop chiant. Après, j'ai lancé la game. C'est peut-être pour ça. C'est sûr que j'allais mourir. Donc vous voyez, j'ai mis le truc qui fait apparaître la tempête. Pour faire genre que c'est un vrai game. Mais il est très loin avancé en fait. Parce que j'ai remarqué qu'il avançait super vite. Parce qu'en fait lui, il a qu'une seule phase. Il a tiré directement à la dernière zone.
Ok, c'est bon. Je pense que là on est assez chaud. C'est là vraiment là, sans mentir, c'est la première partie que je lance. Hein. Juste faire un truc. Durée de rétrécissement, c'est vraiment trop long en fait, 5 minutes. Limite 2,5 minutes, c'est bon. Durée d'attente, c'est quoi durée d'attente? Ça, ça le rend médecin. À 3 minutes. Voilà. Allez, quitter créatif. Et on va partir en solo. Donc on va essayer de faire plusieurs games solo. Voilà, l'histoire de faire un bon top. C'est bon, j'étais juste parti faire un petit truc, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Alors, en vrai, je préfère ce mode-là. La luminosité, elle est vraiment. Bah, tu sais quoi, on va faire une game, mais sans les couleurs. Voilà, ça va être ma troisième game, sans les couleurs. Ah, j'ai cru qu'il y avait de la lave. Merde, c'est ça la carte. Où est-ce qu'on pourrait aller? On va clairement faire un petit spawn safe. Y a personne là. Mais vraiment là, il y a des mecs. Je suis une grosse merde. Donc je vais éviter d'y aller. Je trouvais même pas la touche pour sortir. Waouh! J'ai fait de la grosse merde là. Mais je l'ai eu. Mon stuff c'est. Ah, je suis con. J'ai même pas mis de touche pour mon stuff, c'est vrai.
Je disais bien qu'il manquait une touche. Attendez, ben on va aller dans les paramètres. Comme ça, vous allez voir mes touches. Et mon chien qui aboie, c'est chiant. C'est où, putain? Afficher l'inventaire, bah j'avais mis. J'ai mis 3, mais vu que. Non, c'est bon en fait. Ah, je l'ai géré. Non, j'ai con. En vrai, je pense que si ça aurait été lui qui m'avait vu dès le début, je serais déjà mort. Parce que clairement, c'est moi qui ai mis tout. C'est moi qui lui ai tiré dessus en premier. Mais j'avais raté clairement toutes mes balles. Hein. Ok, donc déjà on a le petit inverseur de tempête, ça c'est cool ça. Donc on va le tester. Donc en gros, quand on n'est pas dans la tempête, voilà, ça crée une grosse bulle. Et dedans, voilà, on est dans la tempête. Donc ça dure pas longtemps. Et voilà. Et après ça se rétrécit. Ça dure vraiment très peu de temps. On va prendre la dynamite. Et bah tiens, encore un inverseur. On va prendre ça. On va la reprendre. Et on va aller dans la zone. Non, en vrai, je pense qu'on voit pas vraiment le clavier. Qu'on va le rallumer. On va camper à côté de la zone. Comme ça, on va attendre que la tempête elle arrive. Et donc on pourra l'utiliser. Pour vous montrer qu'on prend pas de dégâts. Tac. Alors sans vous mentir, maintenant je regarde plus du tout mes touches. Avant, genre, j'étais constamment en train de regarder le clavier parce que je connaissais pas l'emplacement. Maintenant, si, je connais. Prends les mini-popos. Elle en est où la zone? Elle va bientôt arriver. Ça c'est nouveau, je crois que ça y était pas avant. Ah mais j'adore quand ça fait ça. Tu veux construire, sauf que ton sol il se met dans la pierre. C'est vraiment chiant. Bon là après j'ai toujours pas de fusée à pompe, c'est chiant. Top 28, un kill. C'est bien. Alors clairement, il n'y a pas beaucoup d'action. Hein. J'ai entendu le gars.
On va attendre que la zone elle arrive, là, arrive, arrive. Là, je suis jamais. Là, c'est sûr, je vais pas être dans la zone. Ah, bah si. Voilà, regardez. Et voilà. Là, c'est comme si j'étais dans la zone. Vous voyez, je prends pas de dégâts. Attendez, je décale le câble. Et voilà. En plus, ça va, c'est assez grand. Et là, voilà, ça se rétrécit. Voilà, on aura fait le test des deux parties. De la nouvelle grenade, quoi. Alors, pour ceux aussi qui n'auraient pas vu ma vidéo, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas si j'ai fait de vidéo genre où il y a le nouveau Polar Peak. Mais en gros, Polar Peak a été fissuré. Et voilà. Fallait bien que je croise un mec. Arrête de construire. Ah le bâtard, putain. Eh, je vous jure, j'ai un IM de merde. Bon, on va quitter la partie. Le principal, c'est qu'on ait découvert la nouvelle grenade. Voilà, en fait, je la connaissais déjà, mais j'ai pas fait de vidéo. Parce qu'en fait, je voulais faire une partie en créatif. Donc, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Sauf que, elle est pas disponible dans le mode créatif. Et ça, c'est vraiment chiant. Faudrait trouver un glitch. Voilà, alors on va relancer une game. Et ensuite on s'arrêtera. Vraiment, dites-moi dans les commentaires la sensibilité que vous me conseillez. Parce que celle que j'ai. Là en fait, ma souris elle est en 1000 DPI. Elle peut aller jusqu'à 3600. Donc en fait, ça dépend des modes de couleur. Et moi je la mets en mode vert. Donc c'est 1000 DPI, c'est le moins. Donc en 1000 DPI, 406 je dois mettre. Parce que là vraiment... C'est vraiment la merde. Regardez ma sensibilité. Elle est comme ça. 145. En 1000 DPI, hein, je peux pas la baisser plus. Parce que je sais qu'il y a des souris qui sont à 400, 500 DPI. Moi, c'est vraiment 1000, le minimum. Ok. Ouais, on va aller à Pleasant Park. Comme dans mes vidéos d'entraînement. C'est souvent ce Pleasant Park que j'ai. Alors pour ceux qui se demanderaient si je fais que jouer clavier souris, non. Je joue avec mes potes en mode manette parce que vraiment, si on ferait que du clavier souris, on n'arriverait jamais à faire top 1 parce qu'on n'est pas vraiment fort. Donc voilà. Moi, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 11h. Et voilà. Alors on n'a pas Pleasant Park pour nous tout seuls. Mais il n'y a pas grand monde. Ok, déjà on a un pompe, contrairement à l'autre partie. Putain.
Il est où le coffre là? Attendez, on va camper. Bon, on va pas chercher le kill. Hein. Bon, allez, on va y aller. Le coffre il est en haut là. Là pour le coup c'est très compliqué. Bon allez on va bouger. En plus je crois la cam elle va bientôt s'arrêter. Parce que genre elle peut filmer 20 minutes 25 minutes de vidéo je crois. Ça dépend de la place qui reste. Bon, allez, on va rush. Ah, bâtard. Bon, bah voilà, les gars. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.